En 2014, la SNCB a introduit un tout nouveau plan de transport. Un plan de transport doit déterminer quel train assure quelle relation, l'affectation du personnel et l'utilisation du matériel, entre autres choses. Notre objectif est d'améliorer le plan de transport tous les 3 ans. Nous lancerons ainsi un plan remanié en décembre 2017. Nous avons d'abord écouté les attentes des associations de voyageurs, des sociétés régionales de transport, des régions, des bourgmestres et des élus. Cela a débouché sur plus de 100 propositions envisageables compte tenu de l'infrastructure disponible durant la période 2017-2020. Nous avons alors étudié chaque proposition sous divers aspects. Pouvons-nous améliorer le service pour un plus grand nombre de voyageurs? Avons-nous suffisamment de matériel ferroviaire et de personnel? Disposons-nous des moyens financiers? Après cette analyse, il restait une 60aine de propositions réalisables et comportant des améliorations concrètes pour nos clients. Notre premier objectif est de contribuer à combattre les problèmes de mobilité majeurs dans et autour des villes. Dans cette perspective, nous avons amélioré notre offre train sur les réseaux suburbains de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi. Nous diminuons les temps de parcours lorsque c'est possible. Nous optimisons les correspondances ferroviaires et celles avec le bus et le tram. Et avec des trains supplémentaires les samedis et dimanches, nous voulons mieux répondre aux divers besoins de mobilité le week-end. Le plan de transport 2017 représente une forte augmentation de l'offre train. Pas moins de 5% de plus que le plan actuel. Nous faisons ainsi du train une alternative de plus en plus intéressante. Et la SNCB offre plus que jamais une solution aux problèmes de mobilité d'aujourd'hui et de demain.